bien, salut tout le monde, c'est Choco. Ça fait bien longtemps que j'avais pas prévu de vidéo sur le mode LSPDFR et je suis sûr que vous êtes content de me retrouver aujourd'hui sur cette vidéo. On est actuellement du côté de Paleto Bay et on va commencer cette journée de patrouille au niveau de Paleto Bay. Je ne sais pas du tout ce qui va pouvoir se produire aujourd'hui. On va essayer de gérer la situation au mieux et puis interpeller tous ces voyous qui traînent dans la ville. Donc on va se rendre tout de suite dans le commissariat, on va incarner donc aujourd'hui la gendarmerie nationale. Donc voilà, on va pousser cette petite porte et on va choisir notre uniforme dans un premier temps. Et puis après au niveau des véhicules, qu'est-ce qu'on va voir au niveau des véhicules? Je crois que j'en ai installé quelques-uns au niveau de la gendarmerie. Donc on a le Ford de la Barrow Team et aussi de la Renault Mégane de la Barrow Team. Donc c'est des véhicules qui sont très très rapides, on va pouvoir les utiliser dans la vidéo, on va voir ce qui va se passer. Donc pour l'uniforme, on va choisir un peu l'uniforme qui va nous plaire. Donc moi je prendrais bien peut-être le pull bleu comme ça, voilà, un haut avec un pantalon qui sont unis. Attendez, je regarde un peu les autres options. Au niveau de l'insigne, on n'a rien. Est-ce qu'on a... Alors on va prendre le calot déjà, on va prendre le calot, après on prendra le top numéro 2, le top numéro 2, voilà, ou le 0, voilà, hop, le 0, on y va, on va sélectionner le véhicule là tout de suite maintenant, et puis on va voir ce qu'on va pouvoir choisir là-dedans. Donc là c'est les véhicules de la police, donc on va pouvoir les voir dans un autre épisode, et puis les véhicules de la gendarmerie, donc on a le Ford qui est là, et ensuite on a la Renault Mégane RS, donc on va plutôt prendre cette fois-ci la Renault Mégane RS. Allez c'est parti, on y va. En patrouille. Donc voici, on est donc au niveau du poste, on attend un peu les chargements. Donc il y a pas mal de plugins qui ont été mis à jour par les créateurs, et aussi ce Rage Plugin Hook en 0.45, donc c'est la nouvelle mise à jour qui intègre de nouvelles options. Je sais pas trop, j'ai pas eu trop le temps de regarder, mais il va falloir que je regarde en détail. Ok, central, ici l'unité 1 Zebra 3, on est actuellement sur Paleto Boulevard, on est disponible pour une intervention. Donc là on va attendre calmement les appels d'urgence. Je vais peut-être en activer quelques-uns, donc voilà. Hop, on a un véhicule militaire volé. Un véhicule militaire volé. Ok, central, ici l'unité 1 Zebra 3, on prend tout de suite l'intervention. Donc on se rend tout de suite au niveau du poste de la gendarmerie. Ok, voici le véhicule militaire. Il s'agit d'un véhicule Vigipirate. Donc monsieur, arrêtez ce véhicule. Ok, central, je suis à la poursuite du suspect. Je ne sais pas s'il est armé. Il s'agit d'un homme. Un homme qui conduit ce véhicule à une vitesse assez excessive. Il se dirige actuellement vers le sud en direction de Los Santos. On va essayer de demander un air support maintenant. Hop, attention à l'accident. Oh là 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 là. Je vais essayer de m'approcher du suspect pour lui demander de s'arrêter. Le suspect refuse de s'arrêter, il refuse d'obtempérer. Donc ce qui va se passer, je vais demander à des unités supplémentaires. Donc des unités supplémentaires, on y va. On poursuit tout de suite le suspect sur Great Ocean Highway. Donc on le poursuit, le suspect refuse toujours de s'arrêter. Ce qui va se passer, je vais essayer de lui passer. Oh, il a percuté un véhicule, ce suspect. Le suspect a percuté un véhicule central. Ok, je descends de mon véhicule, je vais essayer de lui crever les pneus. Monsieur, descendez. J'ouvre le feu central, je vais crever un pneu central. Ok, on y va. On recule, hop, on avance. C'est parti, je vais essayer de le rebloquer à nouveau, on passe devant. Ok, central, le suspect descend à pied, il descend. Donc on y va, on le poursuit à pied. Central, le suspect se dirige à nouveau vers Paleto Bay à pied, je le poursuis à pied. J'espère qu'il ne va pas se faire percuter, le suspect a l'air vraiment déterminé. Donc il ne porte pas d'armes. Oh là là, il vient de tomber, le suspect a chuté. Je me rapproche du suspect, je vais essayer de l'interpeller. Ok, il vient de se faire percuter par un véhicule civil. Monsieur, les mains en l'air, dépêchez-vous, mettez-vous au sol. Immédiatement. Dépêchez-vous. Ok. Le suspect se calme, il se met au sol. Je vais essayer de lui passer les menottes. Monsieur, à partir de cet instant, vous êtes donc en état d'arrestation pour conduite dangereuse et vol d'un véhicule militaire. Monsieur, mettez-vous sur le côté. On va appeler tout de suite une unité qui va venir vous récupérer. Monsieur Alex Steele. Ok. Donc, central, j'aurais besoin d'une unité de transport de prisonniers sur ma position. Great Ocean Highway. Terminé. Ok. Ça a été vraiment très rapide. Le suspect a coopéré. Donc, voilà, on l'a arrêté tranquillement. Mais des fois, ça se passe pas très bien. On est obligé d'ouvrir le feu. Ok. Où est-ce qu'il est, mon véhicule, là? Oh là là. Ce véhicule... Oh là là.
C'est un truc de dingue. J'ai l'impression qu'il est resté au bout là-bas, parce qu'on a couru quand même pendant très longtemps. Et puis voilà, il doit gêner la circulation, il doit être juste devant le camion, j'espère pour moi, parce que si on me l'a volé, ça va vraiment pas être très drôle pour la suite du gameplay. Donc voilà, voilà, le véhicule est là, c'est un truc de dingue, il est intact. Donc heureusement que j'avais laissé les sirènes allumées. Allez hop, on repart au niveau de Palito Bay. Central, on est à nouveau disponible pour une intervention terminée. Donc là, on a les collègues. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, ok, on est obligé de quitter à nouveau Palito Bay. Central, ici l'unité 1-0-3, on se rend tout de suite sur la position du suspect. Donc là, on a un véhicule qui doit provenir de Los Santos, de la ville. Il s'agit d'un véhicule d'un bus de la RATP. On va essayer d'interpeller le suspect. Par contre, il a un véhicule vraiment très lourd. On va éviter de se faire percuter. Central, je suis derrière le suspect. Il refuse de s'arrêter. J'ai pourtant allumé mes gyrophares. Il refuse d'obtempérer. Ok, j'essaie de lui passer devant. Je me suis fait percuter, Central. Impossible de l'arrêter. J'ai besoin d'unités supplémentaires. Merci. Ok, ok. On va essayer de lui crever les pneus cette fois-ci. Parce que ça commence à être dangereux. On a la police nationale sur place avec ce magnifique polo scénique. On va essayer de l'arrêter. Qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est vraiment compliqué et il va falloir que je tire dans les pneus. On n'a pas de stop stick en amont, donc ça va être vraiment difficile. Monsieur, monsieur, arrêtez-vous, monsieur. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est un truc de dingue. J'essaie de lui tirer dans les pneus, mais rien n'y fait. Il poursuit sa route. Central, on a besoin d'unités en renfort, s'il vous plaît. Bon, bon, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Je vais me mettre en amont. Je vais essayer de lui tirer dessus en amont, comme ça. Il a intérêt à s'arrêter parce que j'ai sorti le fusil à pompe. Bon, j'ai l'impression que les collègues de la police nationale ont réussi à le bloquer. Je vais essayer de me diriger à leur niveau. Comment ça se passe? Ok, le suspect a forcé le barrage. Le suspect a forcé le barrage. Je vais essayer de le bloquer à nouveau. Je vais me mettre sur le côté, il va me foncer dessus, Central, il va me foncer dessus. Ok, je tire dans les pneus, je tire dans les pneus. Ok, il a un pneu crevé. Monsieur, descendez. Oh, purée, c'est pas possible. Ok, Central, oh là là, je viens de me faire percuter par un véhicule de la police nationale. On va essayer de remonter dans la Renault Mégane pour se retrouver au plus vite au niveau du suspect. Essayer de l'arrêter. C'est vraiment dangereux ce qu'il fait. J'espère qu'on va l'arrêter avant d'arriver au niveau de Los Santos. Puisque là, on a pas mal de civils et ça risque d'être très très dangereux. Un bus et des civils, un bus fou et des civils en panique. Donc on va essayer de l'arrêter là. Oh, j'ai un petit bug avec les Renault Scénic. Il va falloir que je corrige ça dans la prochaine vidéo. Allez, on y va. On poursuit toujours ce bus de la RATP. Attendez, je vais essayer de bloquer le camion. Peut-être que le camion va pouvoir nous aider à l'arrêter. Et non, je me fais percuter par l'arrière. Monsieur, arrêtez-vous. Ok, 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 ok. Cette fois-ci, on l'arrête. Cette fois-ci, on l'arrête. Je descends de mon véhicule. Le suspect essaye de forcer le barrage à nouveau. Monsieur, descendez, descendez du véhicule. Immédiatement. Ok, il refuse d'obtempérer. Le monsieur refuse de... Monsieur, descendez. Je tire dans les pneus. Ok, le suspect vient d'abandonner le poste de conduite. Ok, monsieur, sortez. Ok, à terre, à terre, à terre. Ok, à terre, doucement, monsieur. Évitez les gestes brusques. Je vais vous passer les menottes. Monsieur, vous êtes donc en état d'arrestation pour vol de véhicule et puis pour conduite dangereuse. Tout ce que vous pourrez dire pourrait être retenu contre vous. Si vous n'avez pas d'avocat, on pourra vous en commettre un d'office. Ok, monsieur Raphaël Cholo, je crois. On va vous demander de patienter un peu. Je vais appeler un transporteur de prisonniers. Voilà. On est actuellement sur Great Ocean Highway. Voilà. Donc, je me demande bien comment je vais faire pour pouvoir faire remorquer ce véhicule. C'est vraiment une masse, donc là on a des dépanneuses à disposition, des remorqueuses à disposition, mais pour ce genre de gabarit ça va être compliqué. Je vais fermer la route qui est juste ici parce qu'on a pas mal de civils qui commencent à paniquer. Donc on va simplement leur demander de faire demi-tour à chaque extrémité de la route. Et puis voilà, ils vont repartir tranquillement. On a la collègue qui vient d'arriver, elle est vraiment super efficace. On peut l'applaudir. Et puis voilà, donc le prisonnier est pris en charge. Monsieur, bon séjour en prison, vous allez réfléchir à ce que vous avez fait. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, je vais juste mettre mon véhicule sur le côté en évitant de percuter les autres véhicules. Voilà, nickel. On va le mettre sur le côté, hop. Et puis je vais aussi déplacer le bus, puisque le bus là, pour l'instant, c'est pas un truc qu'on peut remorquer. On n'a pas la possibilité de le remorquer. Et puis surtout, il a des pneus crevés, quoi.
Attention unit 1-0-3. Citizens reporting a DUI in North Chumash. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Driver under influence. Ok, le mec doit être déchiré à la coke ou au cannabis, un truc comme ça. Je sais pas si je vais avoir le temps. Non, je pense pas avoir le temps là. L'intervention a été annulée. Ok, une patrouille a dû prendre en charge cette intervention. Donc, on va attendre un peu, on va se mettre un peu sur le côté. On va essayer de regarder un peu la route. Il va falloir que je pense à réouvrir aussi cette route. Parce que du coup, je l'ai fermée, il n'y a plus personne. Est-ce que je peux la réouvrir comme ça? Non, je peux pas. Donc, pour la réouvrir, il va falloir que je descende en fait de mon véhicule. Donc, je descends, j'appuie sur la petite touche N. Et puis, je vais essayer de réouvrir cette route. Voici la route qui est réouverte. Et puis voilà, on va attendre un peu dans notre véhicule, on va essayer de voir si les gens sont calmes, s'ils respectent bien le code de la route. Et puis voilà. Ça a commencé bien fort ça. Qu'est-ce qui se passe? Un individu armé. Je pense qu'il y a un individu armé juste dans la zone en vert, juste devant nous. Donc je vais essayer de me rendre dans cette zone. Je sais pas du tout comment activer cette mission, c'est la première fois que je l'ai. Est-ce que ça l'active? Ou peut-être que j'appuie sur une touche. Ah, ça va être compliqué, je sais pas du tout laquelle c'est. Ok, intervention annulée. Donc l'intervention a été annulée. On va se repositionner là tout de suite tranquillement. Et puis on va voir si les gens restent calmes. Ah, je vois une bande de motards qui vient de quitter le bar à l'instant. Ça a l'air plutôt calme dans cette zone. Hein. Ça a l'air plutôt calme. Fou. Vraiment là, on a un petit moment de calme. Ça fait vraiment du bien parce que ça a commencé vraiment très fort. Et puis voilà, là c'est la reprise, donc il faut y aller calmement. Donc la route est bien réouverte, je sais pas pourquoi il n'y a plus de véhicules. Mais voilà, nous ce qu'on va faire, on va retourner je pense du côté de Paeto Bay, où il y a vraiment beaucoup plus de circulation et beaucoup plus de civils et de suspects interpellés. Donc voilà, on va se rendre en direction de cette ville, puisque ça fait vraiment beaucoup de kilomètres qu'on a parcouru à la poursuite de ce suspect qui était vraiment très très violent au niveau de sa conduite. Et on a pu éviter pas mal de blessés sur ce coup là. Donc voilà, on arrive au niveau de Paeto Bay dans quelques instants. Là on traverse le pont qui surplombe le parc national, le parc régional. Donc on va essayer de faire attention, il y a pas mal d'animaux aussi qui traînent dans la zone. Je vais pouvoir avoir l'occasion de vous préparer des petites vidéos sur ce type de parc, puisque j'ai texturé il n'y a pas très longtemps un véhicule qui est disponible sur le site de la Barreau Team, le véhicule de l'Office National des Forêts, donc tout ce qui est tout ce qui concerne le respect de l'environnement, le respect des animaux, de la faune et de la flore. Donc voilà, je vais pouvoir vous faire ça, puis on pourra avoir des missions peut-être comme des chasseurs, des chasses illégales ou des choses comme ça. Voilà, donc on arrive au niveau de Paeto. Oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok, on vient d'avoir à l'instant un motard qui vient de se faire percuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il remonte sur sa bécane. Il a l'air vraiment pressé. Je vais essayer de le poursuivre. Ça va être vraiment compliqué parce que du coup, on va passer à travers la forêt. Justement, ça aurait été parfait d'utiliser le ranger le Ford Ranger de l'Office National des Forêts. Mais on l'utilisera dans une prochaine vidéo, je vous préparerai ça dans quelques jours. Hop, le motard vraiment roule vraiment très vite. Central, je suis au niveau de la forêt, Paeto Forest. Je poursuis actuellement un motard qui est vraiment très très pressé. Il vient de se faire percuter mais tout de suite remonté sur son véhicule et poursuit sa route à une vitesse folle. Donc je vais essayer d'arrêter ce monsieur. Monsieur, arrêtez-vous sur le côté s'il vous plaît. Ok, il s'arrête. Bref, le suspect vient de s'arrêter. On va demander tout de suite au central une information sur le véhicule. Central ici, l'unité 1-0-3, j'aurais besoin d'une information sur un véhicule de type bâti ayant pour plaque d'immatriculation 89WXG 855. Voilà, c'est 855. Ok, le véhicule est immatriculé au nom de Monsieur Quentin, mais on n'a pas de nom de famille. Et puis... voilà, et le problème sur ce véhicule là c'est qu'il n'est pas assuré. Donc on va essayer de s'approcher du suspect tranquillement. On va essayer de procéder à un petit contrôle d'identité. Tranquillement, on va pas essayer de l'inquiéter, on va procéder à un petit contrôle. Et puis voilà. Donc
On s'approche du suspect. Il faut que je trouve la petite touche qui va me permettre d'activer le dialogue avec ce. Alors est-ce qu'on va y arriver? J'ai pas trouvé cette touche. Alors comment ça se passe? On va essayer peut-être de passer de l'autre côté. Alors est-ce que je vais y arriver? Hop. Hop, begin to speak. Donc on appuie sur cette petite touche. Nickel. Bonjour monsieur. Voilà, je veux juste avoir besoin de vos papiers ainsi que des papiers du véhicule s'il vous plaît. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, Central, je viens de me faire voler mon véhicule. Central, je répète, je viens de me faire voler la Renault Mégane. On est actuellement dans Palito Forest. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu passer. Oh mon dieu. On m'a volé mon véhicule. Comment je vais faire? Par où est-ce qu'il est passé? C'est un truc de dingue, je n'ai rien vu. Je vais réquisitionner cette moto. On va essayer de partir à la poursuite du suspect. J'ai appelé les collègues. Par contre, oh là là, il est parti trop vite. Je n'ai rien vu. Oh mon dieu. Le truc, je n'ai rien vu. Comment ça a pu se passer? En plus, j'ai un plantage du mode LSPDFR qui n'est toujours pas stable avec tous ces plugins. Mais voilà, on m'a volé mon véhicule. Comment ça a pu se passer? Je sais pas si vous avez vu quelque chose sur la vidéo, mais voilà, dites-le moi en commentaire. Passez-vous cette séquence en replay. Je n'ai rien vu. Je sais pas qui a pu voler mon véhicule. Peut-être que c'est un animal. Dites-le moi dans les commentaires. Je ne sais pas du tout. Même moi, je vais revoir ça en replay parce que ça m'arrive pas souvent. Et c'est vraiment du vol professionnel, quoi. Il n'y a pas à dire. Franchement, c'est un truc de dingue. Oh là là là. Bon, comment on va faire? Je tourne encore un peu pour voir si je récupère mon véhicule ou pas. Ça va être compliqué là. C'est un truc de dingue. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Je suis choqué. Franchement, c'est allé comme ça en éclair. J'ai vu le véhicule partir. J'ai même pas vu le visage de la personne dans l'habitacle. C'est un truc de dingue. Oh là 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 là. Je vais essayer d'aller jusqu'à l'usine, la scierie juste à côté. Mais je vois vraiment rien. Oh là 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 là. Je vais me faire remonter les bretelles par l'adjudant-chef. Ça va être compliqué pour moi. Je vais passer un sale quart d'heure. Donc là, ce qui va se passer, on va se rendre au niveau du poste de Palito Bay. On va essayer de récupérer un nouveau véhicule. J'ai des collègues qui sont toujours sur place. Le suspect aussi, que j'étais en train de contrôler, est toujours sur place. Bah du coup on va lui demander simplement de partir, on a plus urgent que ça, donc on va le laisser partir, je pense qu'il partira un peu tout seul. Et puis on va se rendre tout de suite au niveau du poste de Palito Bay, et puis on va aller voir si on trouve un nouveau véhicule. Oh, oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je perds totalement le contrôle, je viens de... Oh là là, pauvre bête, je viens de... Oh, je suis vraiment désolé. Il va falloir que je reporte ça à l'Office National des Forêts pour qu'il vienne ramasser le corps de cette bête qui est vraiment pas très loin de la route en plus. C'est un truc de dingue. Je comprends pas du tout ce qui a pu se passer. On va se rendre tout de suite au niveau du poste. On va récupérer un véhicule. On va repartir en patrouille. Les nouvelles missions qui ont été intégrées justement à tous ces scripts et plugins sont vraiment, vraiment super réalistes. Il faut s'attendre à tout. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait vraiment berner par ce motocycliste. Je me demande même s'il n'était pas de mouche avec cette personne qui m'a volé le véhicule. C'est un truc de dingue. C'est pas normal. J'essaie de... Bon, ce qu'on va faire, on va relancer le mode LSPDFR. Donc j'appuie sur la touche F12, je tape load plugin LSPDFR et puis je vais taper force duty. Donc ça va me permettre de reprendre tout de suite mon service automatiquement. Voilà, tac, nickel. Du coup on va repartir. Ok, on a un deuxième bus qui vient d'apparaître. On va repartir tranquillement. Okay. Oh attendez, j'entends des coups de feu là. Central, on a des coups de feu juste devant le poste de gendarmerie. Oh là là, il y a des collègues qui ont besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est le véhicule suspect, le véhicule blanc. Hein. Ok, je pense que le collègue vient d'abattre le suspect. Oh, il a essayé peut-être de leur foncer dessus. Mon dieu.
Ok. Ok, le suspect est décédé. Code 4 central. Ok, central, on va avoir besoin de l'intervention de la police scientifique sur Paleto Boulevard, juste devant le poste de gendarmerie terminé. Donc là, on va essayer de récupérer un nouveau véhicule. J'ai vu qu'il y avait une intervention pas très loin. On va essayer de prendre la Ford Focus qui est juste là. Enfin, mon déo, je sais plus ce que c'est. Hop, non, pas la moto, hop. On n'est pas en police aujourd'hui, hop, la gendarmerie. Et voici la police scientifique avec leur nouveau véhicule que je viens de texturer aussi, qui est aussi disponible sur le site de la Barreau Team. Hop, je viens de voir que le suspect est un peu loin, donc on va annuler cette intervention. Et on va prendre celle-ci. Celle-ci, donc la poursuite de suspects armés. Ok, code 99, donc toutes les unités doivent répondre, on va se rendre tout de suite sur position des suspects. Donc ils sont au niveau de la plage, on va essayer de passer. C'est pas facile avec ce terrain de pouvoir circuler tranquillement. Regardez là, je vais devoir passer par... Oh là là là, je vais... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Oh là là. Mais ce chemin est vraiment ridicule, il va falloir que je fasse très très attention. On va passer par ce petit pont qui est juste là. Et puis on va essayer de rejoindre les collègues qui ont vraiment besoin de soutien. Ils sont sous les feux là, donc hop, on va passer par là. Ah, j'y vais, on y va. Wow, ok, c'est bon. Ok, central, on est actuellement sur Procopio Promenade, sur la plage. On a un suspect qui remonte en direction du nord, un véhicule suspect. Donc à bord, plusieurs suspects, il y en a au moins 4 ou 5. Conducteur plus passager et deux personnes à l'arrière. Donc un véhicule de couleur sombre, couleur marron je crois, qui se dirige à vive allure sur la plage, donc en direction du nord, du sud pardon. Alors qu'est-ce qui se passe? Le véhicule est sous les projecteurs de l'écureuil. Où est-ce qu'ils vont comme ça? Ok, je vais essayer de m'approcher des suspects. Ok, central, coup de feu, je réponds central au coup de feu. Mon dieu. Ok, les suspects sont bloqués sur une presqu'île. Attention, on va essayer de... Oh là là, on va essayer de descendre, de les bloquer. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que les suspects viennent de chuter. Ils viennent de chuter de cette falaise. Oh mon dieu, le véhicule est tombé dans l'eau. Il s'est retourné, central, le véhicule suspect est retourné. Les suspects sont toujours vivants. Je répète, les suspects sont toujours vivants. Ils ouvrent le feu, central. Je réponds. Coup de feu. Baissez vos armes. Ok, on a plusieurs plusieurs personnes de type... Oh là là, qu'est-ce qui... Ok, central, j'ouvre le feu. Ok, suspect à terre. Madame, arrêtez-vous. Ok, la personne prend la fuite. Ok, madame, arrêtez-vous, ça sert à rien. Ok, c'est bon. La personne est sous mon contrôle. Je vais essayer de lui passer les menottes. Ok, allez. Complètement dans l'eau, ça fait pas très RP ça. Ok, central, suspect sous contrôle. Il s'agit de madame Kate Johnson, donc je vais essayer de la ramener sur la plage là, comme ça. On va appeler un transporteur de prisonniers immédiatement. C'est un truc de fou, ils ont carrément chuté de la falaise avec leur petit van là, et ils sont toujours tous vivants. C'est un truc de dingue, ils ont eu vraiment chaud. Par contre, il y en a un que j'ai dû abattre, et puis il y en a un autre qui a dû être abattu par mes collègues. Mais je sais pas du tout si on a aussi des gendarmes qui sont tombés dans l'eau ou pas. Je vais essayer de voir ça. Je vois simplement le véhicule suspect. Et puis on a la deuxième suspecte qui est en fuite sur la plage. Je vais essayer de faire monter celle que j'ai là actuellement, la prisonnière, dans mon véhicule. Et puis on va essayer de porter assistance à nos collègues qui sont en bout de plage et qui luttent à pied. Ils essayent de rattraper le suspect. Je pense que c'est une femme. Ils essaient de la rattraper et de la mettre, de l'arrêter. Alors attendez, je vais essayer de passer devant. Ok, on a le projecteur de l'écureuil qui nous aide vraiment beaucoup pour repérer les suspects en pleine nuit. Ah, c'est bon. Ok, suspect sous contrôle. On a les officiers de la gendarmerie qui sont qui la tiennent en joue. Ok, on lui passe les menottes, centrales. Ok, fin d'alerte centrale. Ça commence à être vraiment vraiment chaud cette vidéo. Il y a pas mal d'action. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais vraiment, depuis que j'ai mis à jour les missions qui sont ajoutées au jeu, il y a vraiment des trucs de ouf qui se passent dans mon GTA. Je sais pas pour vous, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site lcpd.com. C'est un site qui regorge de beaucoup d'informations et beaucoup de mises à jour pour votre mode LSPDFR pour avoir des missions supplémentaires. Bon, ce qui va se passer, donc attendez. Hop, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir récupérer cette dame? Ok, j'arrive pas à récupérer cette dame, je pense qu'il y a un véhicule qui va arriver dans pas très longtemps. Mais on a une mission qui vient juste d'apparaître. MetLab. Donc là c'est un laboratoire de méthamphétamine. Je crois que c'est un propriétaire de laboratoire de méthamphétamine qui essaie de prendre la fuite. Donc centrale, ici l'unité 1-0-3, on prend tout de suite l'intervention. Donc on est vraiment pas très loin, on a une prisonnière dans la voiture, mais c'est pas grave, on y va, on va essayer d'interpeller le véhicule suspect. Je n'arrive pas à le distinguer, où est-ce qu'il est. Ok, il a pris la fuite dans cette direction-là. Je crois qu'il se dirige actuellement vers Paleto Bay. Ok, central, j'ai le véhicule suspect juste devant moi, il s'agit d'un véhicule coupé, vraiment de couleur très sombre. Je ne vois pas, oh là, ok, on a la prisonnière qui vient de sortir. Ok, je ne vois pas la marque du véhicule. Je ne sais pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Mais le véhicule roule vraiment à très vive allure. Il prend vraiment tous les risques. J'ai un collègue qui vient de me percuter central. On va essayer de rattraper le véhicule suspect. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ce collègue? Il est complètement bourré. Oh là là, oh mon dieu. Ok. Je pense qu'on va perdre le suspect à cette allure-là. Si le collègue ne me lâche pas les baskets, ça va être compliqué. Allez, dépêche-toi. On va essayer de reprendre la poursuite. Je vois simplement les feu arrière du véhicule. Je crois qu'il vient de tourner à gauche. Alors attendez qu'on se rapproche un peu. Oh là 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 là. On se rapproche un peu. Je crois qu'il a tourné à gauche. On va le poursuivre. Je crois que j'ai encore vu ses feux arrière. Mais c'est un truc de dingue. Le gars refuse de s'arrêter. Pourtant, j'appuie vraiment sur le champignon. Mais le gars va plus vite que moi. C'est vraiment un truc de dingue. On arrive actuellement au niveau de Paleto Bay. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Où est-ce qu'il est? Ok, le véhicule suspect est arrêté là, un feu. Je vais lui demander d'arrêter son véhicule. Ok, je vais signaler de s'arrêter. Est-ce qu'il va obtempérer? Ok, est-ce qu'il va obtempérer? Ah, attendez, il y a écrit « Follow the suspect ». Oh non! Oh non, je crois que j'ai fait louper la mission. Oh merde, je crois que j'ai fait louper la mission. Oh mon dieu. En fait, il y avait écrit que je devais suivre le suspect jusqu'à son laboratoire, je crois. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là? Ah, j'ai pas compris le délire, en fait. Hein. Attendez, je vais essayer de le suivre. Oh là là, j'aurais dû peut-être le suivre discrètement, là, du coup, vu que je suis repéré, il vaut mieux que je l'arrête. Monsieur, oh mon dieu, ok, tu t'arrêtes, tu descends. Arrête-toi. Mets-toi à terre. Oh putain, il a une arme. Ok, je viens de récupérer son arme. Le suspect tente de prendre la fuite. Il vient de se faire percuter par un véhicule. On va essayer de l'arrêter. Monsieur, arrêtez-vous. Ok, à terre, monsieur, à terre. Dépêchez-vous. Ok, monsieur. Vous êtes donc en état d'arrestation pour conduite dangereuse et refus d'obtempérer, monsieur. Donc, monsieur, AWOT, the Red Sniper. Ok, d'accord. Je sais pas trop ce que ça veut dire ce surnom, mais monsieur, vous êtes un grand délinquant en vous plaçant en détention, monsieur. Donc là, j'ai demandé l'intervention d'un transporteur de prisonniers, voilà. Hop, merci. J'ai demandé aussi une information sur le véhicule qui est juste devant moi, mais je crois que j'ai vraiment fait capoter l'affaire, puisque l'objectif dans cette mission, à mon avis, c'était vraiment de suivre le suspect. Parce que là, je vois qu'il y a une petite jauge. Ok. Le véhicule n'est pas enregistré, c'est bizarre. Pourtant, il est assuré au nom de Claude Speed. Donc, c'est vraiment pas la bonne personne qui conduisait. Et donc, je pense que le véhicule est volé. Comme je vous le disais, il y a une petite jauge en bas à droite. À mon avis, c'était vraiment la distance qui me séparait du suspect. Et il fallait que je garde une certaine distance pour le suivre jusqu'au laboratoire de méthamphétamine. Donc voilà, cette mission sera vraiment à refaire. Ouf. Ok. Cette mission sera vraiment à refaire puisque voilà, j'ai complètement fait foirer le truc. Attendez que je vais fermer la route parce que c'est vraiment le bordel.
Et puis voilà, il va falloir que je refasse cette mission dans une autre vidéo. Je pense que je la referai. Et puis voilà, là on va fouiller le véhicule. Est-ce qu'on va trouver quelque chose de suspect? Un truc qui va pouvoir l'inculper? Non, on n'a rien trouvé. Bon, j'ai vraiment fait capoter cette mission. Bon, je pense que l'adjudant-chef va vraiment pas aimer ce que j'ai à lui débriefer dans mon rapport pour aujourd'hui. Ça va être compliqué. Mais voilà, on va faire remorquer ce véhicule-là. Il va être rendu à son propriétaire. Et puis j'espère qu'il a une bonne assurance parce que là du coup il y a une portière en moins. Voilà, je vais me garer sur le côté. Est-ce que mon véhicule démarre? Oui. Voilà, je me gare sur le côté. Ce qui va se passer, c'est que voilà, pour cette vidéo-là, on va arrêter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce retour sur le mode LSPDFR. En tout cas, moi ça m'a vraiment plu. Il y a pas mal de choses encore à arranger, mais ça avance bien. On est en train de se perfectionner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Choco, portez-vous bien. Allez, salut, ciao ciao.